Enfin, j'ai récupéré mes gemmes aussi. Bon, j'ai droplet, mais j'ai pas de starter. En fait, tu feras un petit tournoi fun pour les 1000 abos, tu penses? Pour les 1000 abos, j'ai un autre truc en tête. Branded. Bon, heureusement qu'on a droplet. Mais ma main, elle est pas incroyable. Je vais sans doute devoir faire forteresse, défausse, trancheuse, forteresse, l'invoque et faire dozer. Tu feras toutes les saisons? Bah, je faisais déjà toutes les saisons à la base, hein, les roches diamants, etc. Roche diamant, là c'est roche master du coup, dorénavant. On va quand même essayer de passer master ce mois-ci. J'ai pas tout des links, mais il faudra que je me le fasse. J'en avais déjà fait une grosse base en fait. C'est un des premiers decks que j'avais quand même commencé à construire ce master duel, les D-Link. En vrai, je vais m'y essayer juste après. Je vais m'inspirer de la liste de Mathieu Bricard pour me faire la mienne. Même si évidemment, il n'y a pas Dispater ou ce genre de choses. Après Dragolink, à nouveau, je ne connais pas du tout le deck. Donc, j'ai fait un tuto build, mais il y a très très longtemps. Ça a été un des premiers tuto builds d'ailleurs. Et il était assez mal fait. D-Link, c'est tellement cool à regarder, surtout dans les versions à 60 pages. J'avoue que je vais jouer plutôt une version à 40, mais. On verra bien. Ce qui me démotive à jouer D-Link, c'est que Mania Mute soit x1 dans le deck, dans le jeu. Même si en vérité, c'est legit qu'elle soit x1. Romulus égale ouvre-fleuve, ouais, c'est à peu près. C'est l'idée. C'est tout? Bah, franchement, je m'attendais à mieux. Mais enfin, pourquoi il n'a pas activé la piège pour oser brander de fusion? Ouais, je sais pas. Régulus. Ok, brander de fusion. Target Albaz, ok. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? C'est le seul que je vois jouer le monstre fusion dans Delic, mais le monstre fusion il est incroyable. Imaginez qu'on puisse vous dire, vous allez tuto DPE. Vous le faites. Vous réfléchissez pas. Ah bah là c'est pareil. Je pense que je vais pas m'embêter, je vais pas craquer la droplette tout de suite, je vais juste faire Fortress Battle sur Masquerade. Je vais pas m'embêter. Comme ça, s'il me le cible et qu'il me le détruit, je peux le réinvoquer sans payer point de vie et je rebattle derrière. Sinon, je fais droplette vraiment dans le pire des cas. Ok, ah merci du follow, merci Shave72 pour le follow. Oui, ça dépend des versions, j'imagine, mais à nouveau, je ne suis pas encore un expert de D-Link. Ok, donc ça c'est fait. Zéro zéro 66. Et là, maxé. Ouverture. Ok. Je rappelle, j'ai plus de battle phase. Il balance Saronir au cimetière. J'imagine qu'il pourra faire son effet. Il invoque Alubert. Invoque Dozer. Je suis chaîne 1 Dozer, donc il va pas se prendre H. Il va surtout faire chaîne 2 Alubert. Donc c'est cool. À moins qu'il ait Imperm Phase caché. Saronir Foolish, une carte branded. Magie piège. Mais lui, il a pas trop maxé de call by un cross out. Ça c'est certain. Il a envoyé bête du marqué au cimetière. Donc ça, c'est pas bête du marqué. Je connais pas l'identité de sa carte, on est d'accord. Non, je connais pas l'identité de sa carte. C'est cette carte-ci.
Mais je sais pas ce que c'est. Ok. On va faire ouvre fleuve. Là, il peut faire masquerade, mais c'est pas un souci. Je l'ai géré juste pour les points de vie. Ce bord-là, il se fait wiper sur citadelle, à part masquerade, parce qu'il a ouverture du marqué au cimetière. J'ai pas encore normal summon, on est d'accord. Ok, j'ai pas encore normal summon. Alors moi, je suis bloqué en terre, donc je ne peux pas faire le play libre-échange classique. Donc là, je vais juste faire ravitailleur, tuto citadelle, défausser citadelle pour invoquer forteresse. J'ai déjà tout le reste. Même lui est plus joué que Ouvre-Fleuve, c'est incroyable. On va chercher Sita. C'est parfait. Je vais faire une ligne 1. Ah, si je pouvais réussir à dégager son board avec une petite citadelle là, ce serait pixel. mais il faudrait que je pioche un Vernusylve pour ça. Pour faire coupe terre par la suite. On garde Droplet en attendant. Dans le pire des cas, c'est pas comme si son board était menaçant. Mais je voudrais le gérer, ses ressources. On va faire baliste. On va vider le deck, histoire de piocher de manière plus probable les Vernusylph. Ou moissonneuse. Moissonneuse aussi, ça me donne l'accès à ma citadelle. Il me faut juste un Vernusylph ou moissonneuse. Ok. 1, 2. J'en ai que 2 pour l'instant. On va faire Régulus. L'équipée de Gearframe. Voilà. On va invoquer Gearframe. Parfait. Ensuite, on fait forteresse. On défausse citadelle. Parfait. Double traction. Il est temps de shuffle et de piocher. C'est l'heure. Un petit Vernusylph, là je ne demande rien de plus. Ou une moissonneuse. Ça me va aussi. Moissonneuse. Même dozer, en fait, si je le pioche, c'est ok. Moissonneuse, dozer. Avancée lourde, Vernusylph, tout ça, c'est des draws qui me font accès à Citadelle. Putain. Sans déconner. C'était quoi les probabilités de ne pas piocher une carte comme ça? Elles étaient quand même énormes. Hein. C'est dingue. C'est vraiment n'importe quoi. L'idée, c'était de les défausser, les réinvoquer du cimetière si c'était des Infini Track. Et défausser. Si je pêchais à niveau 5, je défaussais niveau 5 et, je défaussais perceuse et boîte pour invoquer forteresse.
Je faisais trancheuse, je réinvoquais perceuse, j'invoquais la niveau 5, je faisais niveau 9 et je pétais ses cartes. Enfin, je pétais une de mes cartes chez moi, une sa face cachée, et je réinvoquais citadelle et je dégageais son board. Maintenant, comment je le fais? J'ai rien. J'ai rien pour le faire. Donc tout ce que je peux faire, c'est numéro 81. Ce qui est pas dégueu, mais c'est frustrant parce que j'avais un autre plan en tête. Pour moissonneuse, c'était pareil, il suffisait juste que je le défausse et que je le réinvoque avec trancheuse. Et avec forteresse et moissonneuse, j'avais niveau 9. C'est terriblement frustrant quand ça arrive, ce genre de choses. On parle quand même de à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cartes dans le deck. Et encore, je pense qu'il y avait d'autres possibilités potentielles que que les 11 que je cite, que je pensais. Et les Vernusylves, c'était évidemment très très simple, hein. Il suffisait juste que je reborn et puis on y avait accès. Reborn n'importe quel niveau 5 avec reborn trancheuse, par exemple. Je vais faire le calcul. J'avais 26 cartes à ce moment-là. Non, j'avais 30 cartes. J'avais 30 cartes dans mon deck et il y en avait 11 que je pouvais piocher. On va faire le calcul. La probabilité que j'en avais une était de 61%. Pour 61% de probabilité. C'est... Ah là, je me suis bien fait avoir. Bon, ça a pas l'air d'être le brandette le plus... Ça a pas l'air d'être le brandette le plus marqué de l'histoire du jeu. On refait les mêmes blagues. Plumeau, bordel de plumeau, quoi. C'est ridicule. Bah, c'était plus d'une chance sur deux, c'était comme 6 chances sur 10. Ce qui est proche d'une chance sur deux, vous allez me dire, mais c'est pas exactement une chance sur deux. Il invoque normal ad libitum? What the fuck? Pour activer Saronir pour renvoyer du deck au cimetière. Ouais, ok, fine. Druid Swarm, ça marche pas son effet. Il faut qu'il soit envoyé du terrain au cimetière. Vous pouvez faire gagner tous les monstres actuellement sur le terrain une attaque égale à leur propre niveau x 100. Ouais, mais c'est tous les monstres. Les miens y compris. Ouais, c'est ça. Du coup, il y perd. Il y perd complètement de le faire. Ça se prend appelé par la tombe. 100%. C'est absolument dingue. C'est d'un ridicule les pioches qu'ils ont. Des one-off comme ça, plumeau, puis cross-out. Que des one-off.
merci du follow. Merci Brian Kuei pour le follow. Ça sent le... Ah, il fait même pas le... Il fait même pas gardien de chimère. Oh, très bien. Bon, ça me va. J'ai toujours droplette. C'est... On en a vu des brandettes, mais celui-là, il est pas mal non plus en son genre. Hein. Il manque plus que Super Poly, effectivement. Encore ça, c'est pas new one-off. Limite, je serais moins salé en me prenant Super Poly que Plumeau, mais bon, ça ferait chier quand même. Parce que Plumeau écrasant, c'est vraiment des one-off. C'est... Il doit les... Il a une chance sur 8 de les piocher, basiquement. Un peu moins, mais... Mais... Putain, j'ai perdu 5 secondes pour rien, là. Et dans son cimetière, il a juste ouverture du marquet. Ah ça bannit du cimetière, my bad, je pensais que ça pouvait bannir du terrain. Titaniclad ? Ouais, c'est peut-être le seul qui soit capable de passer 81, donc c'est peut-être un peu normal. Mais qu'est-ce qu'il fout ? What the f... Mais enfin... Mais qu'est-ce qu'il fout? Zut, j'aurais dû envoyer ça au cimetière. J'ai cliqué panique. Parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Mais non, bah... Oh là 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 là, le... La proposition de droplette, c'est infernal. Ça, il me la banne, je m'en fous. Ah, il l'invoque. Non, on va pas le faire. 15 secondes. Voilà, ça c'est fait au moins. Faut que je récupère mon timing. Il est inaffecté. Il peut tenter, mais je suis inaffecté. Donc il va devoir fusionner autre chose. Avec mes monstres terre ici. Citadelle. Il fait un brigand. Je sais même pas ce qu'il fait ce monstre. Oh là là, c'est plus beaucoup de temps. Ok, un peu plus tranquille. Un petit Zeus. Quitte à me prendre 3200 dans la tête avec l'effet de Proscénion. Ouais, je vais quand même l'annuler au final. Ça sert à rien, il a pas de bestial. Lui, il est pas destructible au combat. Ouais, effet obligatoire, mais il n'y a rien dans sa main.
va chaîner. J'ai pas le droit de chaîner? Oh, il a qu'un matériel. Oh putain, le mongol que je suis. Je pensais qu'il y avait deux matériels. My bad. C'est terrible cette histoire. Oh là là. Et en plus, j'ai plus que 28 secondes. Je dois jouer dans l'empressement. Ça me stress. Oh, il va détruire Zeus. Hein. Quel gros misplay. Ça, c'est le timer. Hein. Il y a effet de Saronir, de Druid Swarm. Balancer n'importe lequel des deux là. Heureusement qu'il m'a pas banni Attelage de la Colère double traction. Je vais devoir faire Pasteur là-dessus. J'ai plus le temps. J'ai plus du tout le temps. C'est saoulant, mais j'ai pas le choix. Fais lien. Synchro. Laisser faire. De toute façon, il a plus énormément de cartes, je pense, en termes de ressources. Plus de cartes intéressantes, hein. Il a énormément de cramé de cartes. Moi, je peux encore récupérer des trucs. J'ai encore Citadelle, j'ai encore double Super Express. Ça, ça change rien. Il y a Foolish, mais c'est tout. Ça, ça change rien. Le problème, c'est ça, cette carte-là. Après, s'il détruit avec ça, je peux invoquer Citadelle, donc. Ça, c'est super chiant, en revanche. Mais on va garder Droplet pour justement la Chimera si nécessaire. Ah bah, c'est vrai qu'il doit la renvoyer en main, donc ça ne changeait rien. Si je fais ça, j'envoie lui-même au cimetière, je spécifie Super Express. On pourra faire effet de ça, invoque. Ok, non, on est bon. Ok. Et là, top deck brandé de fusion. Ah, là, tout dépend de ce qu'il me target. La face down. Normalement, à sa place, je vise la face down. Target, c'est la pire. La pire qu'il pouvait target. Pour lui. Hein. Ouais, il protège la fusion, mais ça c'est pas grave, la fusion elle est pas menaçante du tout. Ok.
passe en off parce que la proposition de droplette m'a fait perdre énormément de temps. Oh, il target la pire. Oh là 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 là. Allez, on récupère du temps. Parfait, let's go. Pas mal. Ok, bah let's go. Bah vu que j'ai pioché Gearframe. Ok. Ok, go. Normal. Effet. C'est un peu chiant, mais... J'aurais pu le skip, mais ça servait à rien. Je peux faire X8, faire Dingirsu, récupérer mes ressources. Voilà, on fait tunnelier. 1, 2, 3, 4 et 5. 5. Ok, pas mal ça. On invoque l'écrase métal. Effet, tuto 3. Révéler 3 tutos. Comme ça, je suis sûr d'avoir ma moissonneuse au cimetière. Ok. C'est chiant cette histoire, mais bon, j'ai pas le choix. Ok, go. Comme. Hop, ok. Go. On va essayer de se dépêcher quand même un petit peu. Pas destructible au combat, on est d'accord. Parfait. Et que. Fait. Target au niveau 10. Lui. Hop. Tac. Effet. Burn de 2000. Hop. On invoque. Hop. Effet pour passer à 6000. Hop, droplette. Comme ça, il passe à 1250 et c'est létal. Voilà. Putain, le temps, quoi. Oui, je peux tuto éventuellement la boîte avec écrase métal. Mon Dieu. La pression du temps ici. C'est même pas le joueur adverse qui nous a stressé, c'est le temps. Oh là 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 là.